Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine. Bon début de semaine, 19 juin 2023, 10h41, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On va retourner dans le temps parce que c'est trop, trop important. Donald Trump, que vous l'aimiez ou non, c'est pas vraiment important, est en train de se faire harceler par le gouvernement de Joe Biden, par son département de la justice, par le FBI, la CIA. Et on lui avait dit, on va revenir à toi, parce qu'il les a exposés, il n'a pas arrêté de les exposer. Il n'a jamais vraiment cru non plus tous les briefings qu'on lui faisait pendant qu'il était président sur la supposée Russie, puis les ingérences de la Russie, et dans le processus électoral américain, alors que les Américains se mettre le nez dans le processus électoral de tous les pays depuis des décennies. Faut quand même le faire. Donc, Donald Trump a dit, il n'y a pas eu d'ingérence en 2016, puis ce que vous me racontez, c'est de la bullshit. Puis je le prends pas, je le crois pas. Et Donald Trump a aussi exposé le complexe militaro-industriel. Et c'est là où je comprends pas la gauche. La gauche, c'est devenu... espèce d'aile politique pro-guerre. Si Donald Trump avait été démocrate, on l'aurait élevé en divinité. Là, maintenant, du côté des démocrates, comme ça a toujours été le cas dans l'establishment, on est en faveur, puis on pousse pour les conflits, les invasions, les déstabilisations, on pousse pour le complexe militaro-industriel. Les démocrates, les républicains sont sur le même niveau lorsqu'il s'agit du complexe militaro-industriel. Moi, je ne comprends pas les gauchistoïdes que j'appelle affectueusement, que ces gens-là ne s'élèvent pas contre ce qui se passe en Europe, sur ce qui se passe avec les États-Unis, qui poussent le pays qui est en conflit contre la Russie à refuser toute offre, ou en tout cas proposition de paix, la dernière venant de l'Afrique du Sud, je pense, et qu'on ne soit pas anti-guerre. Donc, tu as Donald Trump qui a exposé, en 2015-2016, pendant les primaires, George W. Bush, les républicains et les démocrates qui ont voté pour l'invasion de l'Irak aussi, a exposé ce monde-là, a exposé le FBI, et a répété sur un plateau de télévision en plein débat des primaires qu'on nous avait menti. Donc là, on va aller écouter Donald Trump dans cet échange-là. J'ai trouvé l'extrait où il dit « on nous a menti ». Hier, je vous en avais partagé un, ou avant-hier, je n'avais pas réussi, mais c'était un petit peu plus loin. Donc là, j'ai trouvé le lien. Et on va aller écouter George W. Bush, qui était président deux fois, hein, et qui nous a emmenés dans cette guerre-là, l'an dernier, qui commet une petite erreur au microphone, hein? Il se trompe dans ses termes et ça veut tout dire. Donc là, on va aller commencer avec Donald Trump pendant cet échange-là. Donc je le fais tourner puis je vous le traduis après. Trillion dollars, thousands of lives, we don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We've destabilized the Middle East. But you still think he should be impeached? I think it's my turn, isn't it? You do whatever you want. You call whatever you want. I want to tell you, they lied. Okay. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. Okay, all right. Ils nous ont menti. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et il le savait qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Vraiment? Tu te demandes pourquoi on est après Donald Trump? Bien, ça, c'est une des raisons. Puis on va l'écouter George Bush, l'an dernier, qui fait comme un lapsus hallucinant. Puis même lui, quand il commet le lapsus, il dit « Ouais, non, c'est la même chose. » Mais en tout cas, je laisse tourner, puis je vous traduis. « Russian elections are rigged. » Les élections russes sont truqués. Political opponents
are imprisoned or otherwise eliminated. Les opposants politiques en Russie sont soit emprisonnés ou éliminés. Ça ressemble un peu à ce que les Américains font. From participating in the electoral process. Parce qu'on ne veut pas qu'ils participent au processus électoral, hein, les opposants. The result is an absence of checks and balances. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas, de surveillance, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de, d'oversight, comme on dit, hein, en Russie. In Russia, and the decision of one man et la décision d'un seul homme to launch a wholly unjustified de lancer une sainte invasion, wholly unjustified and brutal invasion of d'une brutale invasion de, et là le lapsus arrive, de l'Irak. Iraq. I mean of Ukraine. Non, je voulais dire l'Ukraine. Mais là, écoutez qu'est-ce qu'il va dire après. Iraq, anyway. Et l'Irak aussi, de toute façon. 75. Il dit, j'ai 75 ans, donc je me trompe. Ou je peux dire ce que je veux, peu importe. Donc, voyez-vous le lapsus? Wow! Il voulait dire, une brutale invasion de l'Ukraine, mais il a dit de l'Irak. Mais il dit, ouais, aussi, on peut l'appeler une sainte invasion de l'Irak. Donc, il admet que c'était une invasion brutale. Et on retourne à Donald Trump. Spent $2 trillion, thousands of lives. We don't even have it. Iran is taking over Iraq with the second largest oil reserves in the world. Obviously, it was a mistake. So George Bush made a mistake. We can make mistakes, but that one was a beauty. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. But on a déstabilisé le Moyen-Orient. So you still think he should be impeached? Donc vous pensez qu'il devrait être destitué? You do whatever you want. Il dit, vous faites ce que vous voulez. Vous t'appelles ça comme tu veux. Vous nous ont dit qu'il y avait des armes de destruction massive. Il n'y en avait pas. And they knew there were none. Et ils savaient qu'il n'y en avait pas. There were no weapons of mass destruction. Okay. All right. Donc, fascinant. Vous voulez savoir pourquoi on est après Donald Trump? C'est exactement pour cette raison-là. Bon début de semaine, puis je vous reviens.